un truc totalement privé, où il y a que ses propres vibrations, et donc on ne fait pas rentrer le public. Hein. Là, ça s'appelle le forteresse alchimique. C'est très spécial. Quelques suivantes. Ah voilà, là, c'est ce qu'on appelle la mise à mort des métaux, ou la mise à mort du métal. C'est disséquer le métal, on va dans l'opération qui consiste à dissoudre un métal, en tirer ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est représenté en image sous la forme d'un corps symbolisant le métal qu'on découpe. Alors forcément, c'est toujours très, très spectaculaire, parce que l'alchimiste va découper un morceau, un corps, c'est pas réel. Hein. Ça veut dire qu'on, comme un anatomiste va ouvrir un corps et sortir les organes pour les étudier, il va étudier un foie, il va étudier un poumon, et il fait une opération, forcément c'est pas très beau à voir, il fait l'étude, morceau par morceau, si on peut dire. Donc on a quelque chose qui s'appelle le découpage des métaux. Alors l'image est très belle, parce que vous avez des livres d'alchimie qui font toutes les images comme ça. Hein. Voilà. On